Cette épreuve de Monza est particulièrement intéressante. En effet, il y a de fortes chances pour que l'on connaisse à l'issue de la course le vainqueur officiel du championnat du monde. En effet, théoriquement, Jackie Stewart peut encore être rattrapé. Il compte actuellement 51 points. Le deuxième Jackie X compte 22 points, il ne peut plus le rattraper. Il devra en effet retrancher un résultat, c'est un calcul assez compliqué. Enfin, Jackie X n'a plus aucune chance. Mais par contre, Bruce McLaren qui est troisième et Graham Hill qui est quatrième peuvent encore, théoriquement, je dis bien théoriquement parce qu'en pratique c'est autre chose, dépasser Jackie Stewart. Il leur faudrait pour cela, d'une part, que l'un des deux remporte les quatre derniers Grands Prix qui restent à disputer et d'autre part que Stewart ne finissent pas au plus mal cinquième ou deux fois sixième d'un des quatre Grands Prix qui restent à disputer. Vous voyez qu'il y a vraiment une chance sur mille pour que Bruce McLaren ou Graham Hill soit champion du monde. En tout cas, aujourd'hui, si McLaren ou Hill ne gagne pas, ou si Jackie Stewart se classe au plus mal cinquième, eh bien Stewart sera officiellement champion du monde des conducteurs. Que dire des séances d'essai, tandis que vous voyez la caméra italienne qui parcourt la grille de départ. Eh bien, on peut dire que il y a trois voitures pratiquement dans le même temps, vous les avez vues. Rindt et Stewart, bien sûr, ce n'est pas une surprise. Et puis aussi Denny Holm, le vainqueur de l'an dernier, qui a été très très incisif et aussi très malchanceux ces derniers temps. Vous l'avez vu à Clermont-Ferrand, où il était deuxième, puis à Silverstone, où il était deuxième également, avant de connaître des ennuis mécaniques. On peut noter aussi qu'au cours de ces séances d'essai, il y a eu beaucoup de moteurs cassés. X qui a été victime deux fois de cette mésaventure, Graham Hill qui a cassé un moteur, Beltoise qui a cassé aussi un moteur, McLaren, est-ce un signe pour la course? En tout cas, les moteurs Ford n'ont pas fait preuve de leur robustesse habituelle. Tous les pilotes, ou presque, ont réussi leur meilleur temps en bénéficiant de l'aspiration, nous allons y revenir dans quelques instants. À noter encore que Beltoise a assez peu tourné samedi, que Rodriguez lui a tourné encore moins puisque c'est Brambilla qui a participé aux séances d'essai, et que Rodriguez, au bout de quelques tours seulement, a tourné 2,5 secondes plus vite que le pilote italien, ce qui fait qu'il a immédiatement été retenu. Vous étonnez sans doute que Chris Amon ne participe pas à ce Grand Prix de Monza. Eh bien, Chris Amon devait courir sur la toute nouvelle Ferrari qui a effectué ses premiers tours de roue ces derniers temps. Et cette Ferrari, eh bien, ma foi, qui est équipée d'un nouveau moteur 12 cylindres à plat, a connu quelques ennuis justement de moteur vendredi matin au cours d'essais privés à Modène. Je crois que c'était des ennuis de piston qui fait que cette Ferrari ne sera pas au départ de ce Grand Prix d'Italie, à la grande déception, comme vous l'imaginez, du public. Quant à Chris Amon, eh bien, il préfère ne pas courir plutôt que de courir sur l'ancienne voiture qui lui a valu tant de mésaventures cette saison. Quant à Jackie X, eh bien, il se retrouve en dernière ligne, je vous dis, après avoir couvert simplement un tour d'essai. Manque encore à l'appel des partants habituels des Grands Prix cette saison, Joe Bonnier, qui a été accidenté à Houlton Park le mois dernier, et Vic Elford, qui lui a été victime d'un accident au Nürburgring. En ce qui concerne le circuit de Monza, eh bien, vous avez sans doute vu sur ces images qu'il est envahi par un public énorme. On doit dénombrer 120 000 ou 130 000 personnes. Ce public qui est tout à fait étonnant, tout à fait extraordinaire, certainement le public le plus enthousiaste et le plus chaud d'Europe, avec les avantages et les inconvénients que cela implique. Quant à la piste, nous allons la découvrir au fur et à mesure de la course. C'est la piste la plus rapide d'Europe avec Spa-Francorchamps. Depuis 1962, les pilotes de Grand Prix refusent d'emprunter l'anneau de vitesse avec ses courbes relevées qui sont jugées très très dangereuses. Le circuit en tout cas tel quel développe 5 750 km. Vous allez voir, vous verrez mieux tout à l'heure en image. Enfin verbalement, je peux vous faire faire un tour rapide. En partant des tribunes, il y a une très très rapide rectiligne. Les pilotes enclenchent la cinquième vitesse devant les tribunes et puis ils vont négocier une courbe extrêmement rapide à droite, la Curva Grande. C'est une nouvelle ligne droite courbée coupé par une très légère courbe, la Curva della Roggia, qui passe absolument à fond. Et puis c'est un freinage impressionnant pour aborder en troisième la première des deux courbes à droite de l'ESMO. On accélère à fond en troisième toujours entre les deux courbes. Et puis en sortant de la deuxième courbe, on monte ses vitesses dans une ligne droite qui débouche sur une courbe à fond à gauche, la Curva del Seraglio. Et puis c'est une nouvelle courbe à gauche, très ouverte, toujours à fond, la courbe Ascari.
Une nouvelle ligne droite à fond à presque 300 km/h et là, il va à nouveau falloir freiner violemment pour aborder en troisième la courbe sud ou parabolique qui ramène dans la ligne droite des tribunes. Tout cela, vous allez le voir beaucoup mieux quand le départ de la course va être donné. Comme sur tous les circuits très rapides, il va y avoir aussi des phénomènes d'aspiration. Je vais essayer de vous expliquer très simplement ce dont il s'agit. Disons que la voiture de tête coupe le vent pour la voiture qui la suit. Elle lui permet ainsi de gagner de la vitesse, disons une vingtaine de kilomètres heure. En effet, il y a une résistance à l'air qui est bien moindre, et ainsi de la dépasser irrésistiblement. On peut prendre comme exemple l'exemple des courses cyclistes. Vous voyez, ça s'effectue un petit peu comme les relais dans les courses cyclistes. Évidemment, le pilote qui vient de se faire doubler profite à son tour de l'effet de sillage. Et là, je crois qu'on peut faire plusieurs observations. D'abord, que l'aspiration joue sur une grande distance. À Monza, on est encore aspiré à 100 mètres de la voiture qui précède. Ensuite, que le phénomène que je vous ai expliqué pour deux voitures est valable pour 3, 4 ou 10 voitures. Il est même nettement amplifié. Dans un peloton de plusieurs voitures, on verra souvent une voiture passer dernière du peloton autour d'un tour et passer en tête de ce peloton si elle a pleinement profité des phénomènes d'aspiration au cours du tour suivant. Encore une observation, pour profiter au maximum de l'effet de sillage, c'est-à-dire obtenir la plus grande augmentation possible de vitesse, il faut bien sûr déboîter au tout dernier moment pour doubler la voiture qui précède. C'est évidemment ce qui rend ce petit jeu fort dangereux. À 300 km/h, 5 ou 6 bolides déboîtant à quelques centimètres les uns des autres, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de place pour les maladroits ou pour les inconscients. Deux autres observations qui vont s'appliquer de très très près à cette course. D'abord, il va être extrêmement difficile de s'échapper seul en tête. Il faudrait pour ça avoir un moteur beaucoup plus puissant que les autres. Et un corollaire de cette observation, celui qui serait dans le groupe de tête et qui sortirait de l'effet d'aspiration, de l'effet de sillage, n'aurait aucune chance de revenir dans ce groupe de tête. Encore une autre observation, vous me direz qu'il y en a beaucoup, eh bien, elle va s'appliquer au départ de la course. Celui qui ratera son départ et qui perdra le contact avec le groupe de tête n'aura aucune chance de revenir dans ce groupe de tête. Quant à Jackie X, qui par la suite des ennuis aux essais est très mal placé, eh bien s'il y a une cassure, s'il y a plusieurs pelotons qui se forment au cours du premier tour, eh bien je crois que c'en est fait de ses chances. Vous observez sur la grille de départ, Jochen Rindt, à droite en première ligne. Vous voyez que c'est une curieuse disposition en épi. En tout cas, en première, les Jochen Rindt à droite et Denis Hulme à gauche, avec juste derrière eux Ross McLaren, Jackie Stewart, ensuite Jean-Pierre Beltoise et Pierce Courage. Et attention, comme je vous le disais, ce départ va être très important, il ne s'agit pas de le rater. Mais attendez, de toute manière, le départ n'est pas encore imminent. La grille de départ a été composée. C'est ce qu'on appelle la fausse grille. Et les concurrents vont maintenant avancer sur la véritable grille de départ. Ils vont avancer d'environ 200 mètres. J'espère que mes explications concernant les phénomènes d'aspiration, évidemment, ont été un petit peu rapides. Je voulais vous les donner avant le départ. Nous aurons le temps d'y revenir pendant la course. C'est en tout cas un phénomène essentiel sur un circuit comme celui-ci. J'irais presque, c'est malheureusement un phénomène essentiel, car c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas spécialement du pilotage. Et ça fait courir un grand, grand risque aux pilotes. Je vais encore vous faire une autre confidence, c'est que je venais de vous dire qu'il était extrêmement difficile de s'échapper du peloton. Et pourtant, je crois savoir que Stewart a l'intention d'essayer de s'échapper et de filer seul en tête. Mais nous allons y revenir là encore. Et c'est un petit peu un départ surprise. Et comment Stewart s'est faufilé en tête. Stewart a été le plus vite en action et il est passé au millimètre entre la Lotus de Jochen Rindt et la
entre la Lotus de Jochen Rindt et la McLaren de Denny Hulme. Il est bien difficile de vous en dire plus, car j'en vois exactement autant que vous. Et là, la caméra nous attend à l'entrée de la première courbe de l'ESMO. C'est l'hélicoptère, normalement, qui va relayer. Ben pour l'instant, je n'ai pas d'image. Vous voyez, enfin, j'ai l'image que vous avez. Voilà. Et nous trouvons ici à l'entrée de la parabolique. Vous voyez que ce freinage est extrêmement volant, avec en tête Stewart devant Rindt, je crois. Stewart. Voilà, Stewart en tête. Devant Rindt et Hulm. Rindt qui attaque Stewart. En quatrième position, j'ai pointé Seifert. En cinquième position, Pierce Corrège. En sixième position, Jean-Pierre Beltoise. McLaren. Et enfin, McLaren, Brass McLaren. Je crois que nos amis italiens doivent avoir un petit pépin de caméra, puisque en effet, les seules images que nous ayons pour l'instant sont les images du passage devant les tribunes et les images de la courbe qui débouche sur ces tribunes, c'est-à-dire la parabolique, la courbe sud. Évidemment, on ne peut pas dire que ce soit... J'espère que ça va très très vite changer. Sinon, la course ne va pas être très très gaie pour nous, ni pour vous d'ailleurs. Et nous voici à nouveau à l'entrée de la courbe sud, avec en tête Stewart encore. Stewart, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va essayer de faire le forcing autour des premiers tours pour essayer de s'échapper du peloton, ce qui ne va pas être facile. Il faut en effet qu'il essaye de sortir les autres concurrents de son sillage. Stewart toujours devant Rindt, Seifert, Hulme. Corrège, Beltoise. Alors que Graham Hill, qui a dû très mal partir, est distancé et qu'un concurrent s'arrête à son stand, je crois qu'il s'agit d'une Brabham. Oui, c'est une Brabham. C'est Jacques Hicks. Jacques Hicks, arrêt à son stand. Par conséquent, Jacques Hicks n'a plus aucune chance de bien se classer dans ce Grand Prix d'Italie. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de cas. Eh bien, on nous avait promis un hélicoptère qui devait normalement suivre le double virage de l'ESMO, les deux courbes de l'ESMO, et puis une partie de la ligne droite opposée. Eh bien, je crois qu'il n'est pas en vol pour l'instant. Il y a peut-être un ennui d'hélicoptère, tout simplement. Tandis que vous voyez que déjà, deux pelotons semblent se former. Celui emmené par Stewart Jochen Rindt. Vous voyez que ces trois voitures, là, déjà, semblent être un petit peu lâchées. Nous allons y voir plus clair au passage avec Graham Hill. Non, c'est pas Graham Hill, c'est John Miles qui ferme la marche, qui est décroché. Oui, tout à l'heure, il m'avait semblé que c'était Graham Hill qui était très mal parti et qui fermait la marche. En fait, ce n'est pas Graham Hill du tout, c'est John Miles. Il est évident qu'avec le peu que nous voyons pour l'instant... En tout cas, je vais vous dire comment semble se dessiner la physionomie de la course pour l'instant. Stewart et Rindt semblent devoir s'échapper et semblent creuser un léger trou sur leurs poursuivants. Je vous le disais tout à l'heure, s'ils arrivent à creuser le trou, les autres ne reviendront pas.
Ensuite, je crois qu'un deuxième peloton se forme avec Seifert, McLaren, Pierce Courage, Denis Holm, Jean-Pierre Beltoise. Et qu'ensuite, il y aura encore une petite cassure qui est en train de se former. Et nous trouvons ensuite Brabham, Hill, Rodriguez et les autres. Nous allons voir si au cours de ce passage, que je viens de vous dire se confirme. Et c'est Rindt maintenant qui est au commandement. Rindt devant Stewart. Stewart qui repasse en tête à la sortie de la courbe. Il y a un petit creux. Oui, en fait, le deuxième peloton n'est pas encore sorti de l'aspiration produite par Rindt et Stewart. Ils sont encore dans l'aspiration, mais il n'empêche que Rindt et Stewart essayent manifestement en ce moment de partir à deux, tandis que Jacques Hicks vient de reprendre la piste. Je peux aussi vous dire que dans le groupe de 5 que je vous ai donné tout à l'heure, qui forme le deuxième peloton, Seifert, McLaren, Courage, Holm et Beltoise, est venu s'ajouter Jacques Brabham, qui a réussi à recoller à ce peloton. On trouve ensuite que d'autres des concurrents qui essayent aussi de ne pas se laisser distancer. Il y a Graham Hill, il y a John Surtees et l'autre BRM, celle d'Oliver. Voilà, je vous disais que le deuxième peloton n'était pas sorti du tout de l'effet de sillage. Eh bien, cela se confirme puisque vous voyez qu'il a recollé aux deux voitures de tête. Et c'est Stewart encore qui mène devant Jochen Rindt et Denis Holm. C'est peut-être pas Denis Holm que troisième. Voilà, Stewart, Rindt, Seifert, McLaren. Seifert, McLaren. Et il semble que Jean-Pierre Beltoise se soit légèrement laissé décrocher. Jean-Pierre Beltoise s'est légèrement laissé décrocher. Il est actuellement avec Brabham. Il ne faudrait absolument pas qu'il perde le contact avec le groupe de tête. Un concurrent très attardé aussi. C'est Jacques Hicks qui passe maintenant, qu'on a attendu. Je me demandais qui pouvait bien avoir été. Et je n'ai pas vu passer, je crois, au cours de ce tour, la Lotus à 4 roues motrices de John Miles. Ah, il semble qu'il y ait du monde. Là-bas, il ne serait pas sorti de la route. Il est arrêté. Il est arrêté en panne. C'est John Miles ou pas? Bien difficile d'y voir clair d'ici. Sixième passage, sixième tour. Étant donné qu'on ne me dit rien, je suppose que je suis toujours à l'antenne. J'espère en tout cas, je suis navré. Mais en tête toujours Stewart devant Rindt, Seifert, Holm, Beltoise a recollé au peloton de tête. Quant à la voiture de Brabham, il semble qu'elle se laisse décrocher, mais je me demande si Jacques Brabham n'a pas quelques ennuis mécaniques. La Ferrari de Rodriguez est très attardée. Et la vieille Brabham de Moser ferme la marche. Voilà une voiture qui a répandu de l'huile sur la piste. Et je me demande s'il ne s'agirait pas de la voiture de Brabham. En tout cas, c'est très 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 dangereux. Le fait que Brabham soit en difficulté de moteur, s'il s'agit bien de lui, est extrêmement dangereux car ça pourrait y avoir de l'huile un petit peu partout sur la piste. Et de l'huile à cette vitesse-là, à 290-300 km/h, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. N'oubliez pas que Chris Amon, l'an dernier, Chris Amon ainsi que John Surtees avaient été victimes d'une tache d'huile et que ça avait fait du dégât, ça avait failli leur coûter très très cher. J'ai demandé à Paris de me prévenir quand même par un moyen quelconque. J'ai demandé à Paris d'essayer de me faire prévenir par un moyen quelconque pour me dire
nous avons toujours l'antenne. Tandis que Jochen Rindt maintenant passe en tête devant Stewart, Ulm, Torres, Siffert, McLaren et Beltoise. Gramil est décollé du groupe de tête. John Surtees est décollé également. Jackie Oliver qui passe ensuite est loin aussi. Ainsi que Rodriguez qui est avant-dernier. Devant Silvio Moser. Silvio Moser qui passe maintenant sur son antique Brabham. Il faudrait absolument quand même que quelqu'un ici puisse arriver à joindre Cognac G pour qu'on me donne au moins un renseignement. Je vais demander de bien vouloir m'excuser une seconde. Je vais demander à mes amis de la RAI de bien vouloir appeler Paris. Mais non, je ne sais pas. Je devais rendre l'antenne. Mais je ne sais pas exactement à quelle heure. Ça dépendait de Bordeaux Paris. Alors il faudrait téléphoner pour que ça marche. Je ne peux pas voir Paris au téléphone. Bien. Eh bien, écoutez. Étant sans nouvelles, je vais continuer mon commentaire. Un nouveau changement en tête. C'est Denis Ulm maintenant qui a pris le commandement. Vous voyez un gros plan de la Ferrari pilotée par Rodriguez. C'est une Ferrari qui date de l'an dernier, un modèle 68. Même avec... Même si elle est équipée en fait du moteur 69, pas le tout dernier, mais le moteur avec lequel Chris Amon a fait tout le début de saison est un modèle qui n'est plus du tout compétitif, apparemment. Je dirais même mieux, chose curieuse, cette Ferrari va moins vite que l'an dernier. Et John Surtees est en panne ou non? Enfin, John Surtees est en mesure de s'arrêter à son fin, il ne va pas tarder certainement car il nous a nettement semblé qu'il passait sur 11 cylindres. Ah ben voilà l'hélicoptère maintenant qui est en vol. Il semble que la qualité des images de l'hélicoptère donne quelques soucis. Vous voyez que Jackie Stewart reprend le commandement là. Et là, ce doit être Graham Hill. Oui, c'est Graham Hill, comme je vous le disais tout à l'heure, est décroché du groupe de tête. Et qui, par conséquent, ne bénéficie plus de l'effet d'aspiration provoqué par le groupe de tête. Stewart maintenant devant Ulm. Ulm, Courage et Rindt. Il y a donc actuellement un peloton de tête qui est composé par 7 voitures. La Matra de Stewart, la McLaren de Ulm, la Brabham de Courage, la Lotus de Rindt, la Lotus de Siffert, la McLaren de McLaren et la Matra de Beltoise. Voilà, le huitième, Graham Hill est décroché. Et Surtees, comme je vous le disais, est en difficulté et il s'arrête à son stand décidément. La saison des BRM aura été une véritable catastrophe. Écoutez, je ne sais pas très très bien comment agir. Il me semble qu'étant sans nouvelles de Paris, la meilleure solution est de continuer à effectuer mon commentaire tranquillement. Comme ça, si Paris veut reprendre l'antenne, eh bien je vais leur demander de me couper. Et si au contraire, ils veulent que je garde l'antenne, eh bien c'est chose faite. Nous allons faire le contraire de ce qu'on fait habituellement. Dans le doute, on s'abstient. Eh bien nous allons continuer. Avec en tête, au 11e passage, Stewart devant Ulm et Rindt. Depuis le début de la course d'ailleurs, les pilotes les plus actifs ont été Stewart, Rindt et Denny Ulm. Les trois hommes d'ailleurs qui ont réalisé les meilleurs temps au cours des essais. Et il
est fort probable que si l'aspiration, si le phénomène d'aspiration dont je vous parlais tout à l'heure ne jouait pas avec autant d'importance, avec autant de vigueur sur cette piste, eh bien ces trois hommes auraient déjà fait le trou aujourd'hui. Et voici enfin l'hélicoptère. L'hélicoptère en vol, je ne sais pas trop si on doit s'en réjouir. Et un arrêt au stand de Silvio Moser. Silvio Moser qui n'a pas la chance de pouvoir courir avec le matériel qu'il mériterait. Et vous voyez, quand je vous disais que ce petit jeu de l'aspiration était extrêmement dangereux, vous voyez que Stewart a repris le commandement là et que... On voyait souvent 6 ou 7 bolides déboîtés à quelques centimètres les uns des autres à près de 300 km/h, puisque c'est la vitesse atteinte sur le circuit. Et là, Stewart, vous voyez, Stewart essaye par tous les moyens de sortir les autres de son sillage. Stewart essaye par tous les moyens de sortir les autres de son sillage, mais c'est évidemment extrêmement difficile. Vous avez pu constater d'ailleurs que Jackie Stewart ainsi que plusieurs autres concurrents étaient partis sans aileron. C'est-à-dire sur une voiture non munie d'aileron stabilisateur. Et cela pour essayer de gagner de la vitesse. En effet, les ailerons... Les ailerons font perdre de la vitesse de pointe. Cars virtually together, and down to the Parabolica they come. Can Stewart hold the line? On this, the last lap, somebody's challenging. It's Rindt going through. Jochen Rindt takes the lead at the Parabolica on the last corner of the last lap. Beltoise going through. It's Beltoise taking the lead, and it's going to be a French matter to win. It must be. It's over the line together, and it's almost a dead heat. It's Jackie Stewart, Rindt, Beltoise and McLaren. Nobody has ever seen the finish of a motor race like that. As lengths behind him. Jochen Rindt won the American Grand Prix at Watkins Glen. But Graham Hill suffered a serious accident. Hill had spun.